Hey, salut à tous et à toutes. Attendez deux secondes, je vérifie que ça enregistre bien. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, ça enregistre bien. Il n'y a pas de problème. Allez, salut les gens, regardez ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne les Chocapix en mode. Attendez, parce que j'ai ma gomme qui empêche mon micro de se rapprocher un peu. J'ai ma gomme qui me casse les pieds. Donc regardez ce que ça donne, c'est beau. Attendez, je ferme ça pour pas que ça gêne. Donc regardez comme c'est magnifique. C'est super beau. Donc voilà, ça c'est un peu à quoi ça ressemble avec les shaders Chocapic en night. Donc pour voir ce que ça donne, c'est vraiment très beau. Je vais pas laisser comme ça parce que voilà, je voudrais que ça soit en plein truc. Donc on va faire flash. Voilà. Voilà, c'est beaucoup plus net. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'aime bien les petits effets. Vous avez remarqué qu'il y a un petit effet sympa? C'est ça. Oh, c'est beau. Pour information, en même temps, j'ai envie de faire passer ça. Mon pote a un petit souci avec son PC. Donc il faudra être patient pour qu'il puisse réparer ses problèmes. Donc il faudra être patient pour ça, hein. Il a un gros problème au niveau du PC. Au niveau de la connectif en fait, au niveau des connexions, il a un souci. Il n'arrive plus à se connecter du tout. Donc je parle pour Joshua 90. On ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi il ne peut plus se connecter, mais il y a un problème. Et du coup, ben, on espère de tout cœur que ça s'arrange, parce que c'est un peu casse-pied quand même, que notre cher ami ne peut plus se connecter. Alors. Donc là, c'est chez moi avec mon gros coquinou. Dans cette version-ci, je peux me transformer en bébé renard. Pas dans la mienne où je suis sur mon serveur. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, avec ce mode-là, le mode que je vais vous montrer un mode, tant que j'y suis, parce que autant faire quelque chose d'intéressant maintenant dans cette vidéo. Veuillez m'excuser, j'approche un peu le micro quand même. Autant faire un truc intéressant dans cette vidéo, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, je vais vous montrer tout simplement un mode intéressant, c'est le morph. Mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec, hein, du coup. Je sais plus si j'ai fait la démonstration, mais de toute façon, j'ai peu de gens qui regardent mes vidéos. Donc, du coup, je peux refaire 6000 fois la même vidéo. De toute façon, vu qu'il n'y a que 4 vues à chaque fois, ça ne change pas grand-chose. C'est du random, quoi. Mais c'est pas ça que je voulais. Donc voilà, déjà, je peux vous montrer les plugins qu'on a installés sur ce serveur. Donc voilà tous les plugins qu'on a installés sur ce serveur précisément. Alors maintenant, ce que je vais tout simplement vous montrer, c'est le plugin Morph. Donc voilà, j'ai dit c'est le plugin Morph. J'ai mis un H, enculé. Donc voilà, c'est ça le plugin Morph, ça vous permet de vous transformer en tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas tout. Par contre, si vous, par exemple, vous voulez imiter une abeille, voilà, je suis une abeille tout mou. Et du coup, ben, je peux me fondre dans les abeilles ici et faire le con. Comme tourner dans tous les sens, enfin, vous avez compris la couille, quoi. Et du coup, c'est marrant. C'est très très rigolo. Et du coup, vous en doutez, ça fait beaucoup du coup, hein, beaucoup du coup. Donc plus sérieusement, ça vous permet d'espionner des gens. Donc, comme... En vérité, c'est un peu le cas, si on veut vraiment le faire, ça peut être en effet le cas. Hein. Puisque regardez, là, je suis en abeille. Bah, comment vous... Vu qu'il n'y a pas le pseudo
Votre pseudo n'apparaît pas quand vous êtes en morphe. Donc ça veut dire qu'on peut pas savoir que vous êtes une abeille, que vous êtes une abeille qui vole et tout ça. On n'en sait rien. Et vous voyez, les abeilles, elles vont un peu partout. Donc du coup, vous pouvez faire le con et tout ça. On peut pas savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Le seul truc qui peut-être et encore, c'est parce que vous pouvez pas rentrer dans les ruches. Mais vous pouvez faire la coup de vous déconnecter éventuellement. Mais bon, on verra que vous déconnectez. Mais bon, vous avez compris le principe. Ou alors mettre un truc qui vous rend invisible éventuellement. Ça peut faire croire que vous rentrez. Mais à ce moment-là, les gens entendraient un splash potion. Donc voilà. Ça, c'est pour ça. Et du coup, je peux aussi éventuellement me transformer en Wukokinu. Pas pourquoi il me fout toujours en renard arctique. Mais... Du coup là ça marche pas parce que je suis en autre couleur, mais imaginez j'aurais pu être de la même couleur. Et je peux faire semblant de faire comme les Wukokins que vous voyez, les Wukokinu. Et faire semblant de chercher avec eux pendant qu'il y a un joueur qui est sur le serveur et qui nous cherche. Moi je joue le renard qui est avec les autres, qui pêche et qui fait n'importe quoi. Donc c'est rigolo quoi. Ou là, pour des raisons comiques, c'est qu'il m'a mis en Wukokin arctique, ça me gêne pas, mais bon. Vous avez compris, hein, je peux. Pour rechanger de couleur, il suffit de se retransformer ou se détransformer en autre chose. Donc, je veux dire, il faut se détransformer. Donc, un morph, c'est pour revenir normal. Donc, par exemple, je fais ça. Le slash. Voilà. Alors vous voyez, ça me retransforme en humain. Et après je refais ça. Et ça peut éventuellement. Voilà, vous voyez là je suis en renard. D'autres couleurs. Voilà comment ça fonctionne ce logiciel là particulièrement. Et du coup ce qu'il faut. Du coup, comme vous voyez, si je me mets avec l'autre équipe, avec eux, comment vous pouvez savoir que je suis un joueur? Vous voyez où je veux en venir? Parce que ce que vous voyez là, quand je gambade en mode vol, c'est vous, de votre côté, le joueur qui voit ça. Mais sinon, tout le monde vous voit en mode flotter au même niveau que les autres. Et du coup, vous pouvez faire croire que vous êtes un renard vous passez inaperçu pendant que vous observez les autres. Donc, c'est assez marrant parce que du coup, c'est un peu le genre de mode qui permet de faire un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est rigolo. C'était assez marrant à préparer. Donc, je vais pas rester trop longtemps. Et surtout que vous pouvez vous transformer en petit renard. Donc ça c'est marrant. Je vais peut-être utiliser d'ailleurs ce screenshot en question avec le petit renard pour ce qui suffit de marquer baby. Et du coup vous transformer en bébé renard. Regardez, je suis un tout petit renard. En plus je suis un bébé renard, mais Arctic c'est encore plus mignon. C'est trop mignon, regardez. Donc voilà. Avec ce mode là vous pouvez. Moi je peux pas bizarrement sur mon serveur, je suis un peu dégoûté parce que c'est une version ancienne. Mais voilà, ici on peut. C'est parce qu'il y a un point 19, je sais pas, mais bon voilà, c'est pas grave. Je vais peut-être me renseigner si on sait pas avoir le mode en local éventuellement, mais bon voilà. Donc voilà à quoi ressemble le Wukokinu. Et du coup je peux vous montrer en face, hein, au lieu de combien de beau. Mon coco le mignon. Mon coco le mignon. J'ai fait un screenshot pour les vidéos à vous venir. On a un petit Wukokinu qui est venu nous voir, donc c'est parfait. Donc voilà, c'était une pub pour vous montrer ça. Et du coup, vous pouvez vous transformer en mob. C'est trop stylé, quoi. C'est trop swag d'être un petit Wukokin de chez Wukokinu. Voilà. Après c'est pas très grave, moi c'est un serveur en 1.16.1 qui n'est pas recommandé, hein. Mais c'est parce que je peux pas faire autrement. Mais voilà, c'est déjà ça quoi. C'est déjà ça. Donc allez, je vous dis portez-vous bien les gars. Et à bientôt. Bande de toutous. Ah oui, pour information, pourquoi je suis resté en 1.16 sur mon serveur à moi, que j'héberge moi-même, c'est aussi parce que j'ai trouvé le mode, le plugin NPC, donc celui qui permet de sélectionner
d'avoir un animal qui vous suit en compagnie. Et c'est ça qui fait que j'y suis resté en cette situation-là. D'ailleurs, ce qu'on pourrait éventuellement faire rapidement, c'est peut-être de quitter ce serveur. Donc voilà. Hey, salut, re. Donc je vous ai pas tout montré. Donc voilà, on est sous notre serveur en question. Donc je peux vous montrer mon compagnon, il est là, hein, regardez. Et je peux très bien, par exemple, je pense que je peux. Voilà, je vais vous montrer comment on crée. Hein. Donc par exemple, NPC, Create. Donc là, ça vous montre, je dois marquer nom. Hein. Nimous, par exemple. Et là, il faut sélectionner le type. Et là, je vais marquer Fox bébé. Et du coup, regardez, j'ai un petit Nimous qui est avec. Mais il me suit pas pour l'instant celui-là. Donc pour ça, je vais demander qui me suit. Donc je vais faire donc ça, je retire du coup. Et c'est pareil pour le renard. Hein. C'est juste qu'il faut marquer juste Fox. Et c'est tout. Il faut pas mettre plus. Pour la création d'autres choses. Donc comme ça, vous apprenez ça aussi. Et du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre follow. Follow. Et c'est bon. Et l'animal va me suivre autant que l'autre. Donc voilà. Et du coup, j'ai deux Wouwou coquinous qui me suivent et c'est ben, c'est trop bien. Donc là, on est sur mon serveur pour information 1.16. Mais il y a un petit bémol pour moi, c'est que moi, voilà, je peux me transformer en Wouwou coquin aussi. Je vais vous montrer les plugins que j'ai. Hein. Voilà tous les plugins que j'ai. Appuyez sur stop et vous verrez, voilà. Donc je peux slash mort. Etc., j'ai oublié le H, etc. etc. Donc en renard, pas de problème. Je me transforme en renard normal. Voilà, je suis un Wou Coquinou et on est du coup une famille de Wou Coquin, Wou Coquinou Mania. Donc jusque-là, pas de soucis. Je peux me transformer en adulte, en renard adulte, pas de problème, aucun souci. Par contre, je ne peux pas me transformer en bébé renard. Comme vous voyez, ça dit comme quoi do not have baby type. Ce type-là n'est pas pris dans cette version-là. Donc je ne peux pas me transformer en renard. C'est dommage, certes. Mais voilà, c'était une petite information bonus que je vous mets. Je mettrai au pire, voilà, je dis c'est un type bonus au cas où vous êtes resté jusqu'au bout. Donc c'est juste ça. Non, j'ai con. C'est juste ça que j'ai ici. Mais du coup, ben voilà, maintenant, on est une famille de Wou Coquinou, de Wou Coquin Mania. Voilà, j'ai un fils Nimous, tout mou et tout doux. Et ça, ben, par exemple, c'est moi qui l'a. Qui l'ai, pardon. Joss, il n'a pas ce mode-là. On ne peut pas avoir d'NPC chez Zot. C'est mon ami. Donc, du coup, c'est un point pour moi. Donc on a à chacun un petit point, voilà. Du coup moi j'ai du coup c'est genre famille ni mousse quoi. Je suis en mode famille tout mou avec ma famille fait de mousse. Voilà, on est une famille tout mou. C'est trop mignon, c'est trop choupi. C'est trop chou. Voilà. C'était le ou serveur tout mou fait de mousse. Bonne journée.